Vous êtes en route pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre ancré pour l'éternité au large de La Rochelle. Cette équipe de 6 candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur de Fort Boyard se trouve une salle au trésor. Dans cette salle, 18 coffres dans lesquels sont inégalement répartis 4000 pièces d'or. Chacun de ces 18 coffres est fermé par une clé différente. Chacune de ces 18 clés ouvre aussi l'une des 18 serrures de la porte de la salle au trésor. Donc, plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres. Et les clés sont cachées dans les cellules du fort. S'emparer de chaque clé va être une véritable épreuve. Chaque clé gagnée par force, par adresse ou par ruse, permettra au candidat d'accéder aux deux cellules suivantes. S'il se trouve sans clé, pour continuer l'aventure, l'un des candidats devra en obtenir une du père Fouras, centenaire gardien du Fort Boyard. Ces 6 candidats, avec enthousiasme et un peu d'appréhension, se sont préparés à affronter le Fort Boyard. Enlevez vos tirets, on est prêt, ça y est. Bien, alors vous allez vivre, bien entendu, vous le savez, vous l'avez accepté, des aventures boyardesques dans ce fort qui n'est pas sûr, qui est complètement inamical, il y a des pièges partout, je vous préviens tout de suite. Vous savez que pour obtenir la clé qui va ouvrir les deux premières portes, il va vous falloir monter et rencontrer le père Fouras. Vous connaissez le père Fouras? Non. Non, c'est un très vieux monsieur, très très vieux, très lent, donc essayez de l'éviter le plus possible. Alors l'un d'entre vous devra répondre à une énigme. Ce sera qui, l'intellectuel de service? Patrick, vous avec moi, Marie, qui va vous prendre en charge. Je vous montrerai le chemin à et suivre. Et puis, si vous ne répondez pas, Patrick, eh bien, le père Fouras, qui est sans pitié, laissera tomber la clé à la mer. Et là, l'un d'entre vous devra aller la rechercher dans la mer. Ce sera qui? Ce sera Philippe. Ça va, Philippe? En forme? Bon, je vous ai oublié de vous présenter Passepartout. On l'appelle comme ça parce qu'il a les clés partout. Et puis, c'est lui qui ouvrira les portes quand vous lui remettrez les clés. Il connaît en plus le chemin sur le bout des ongles. N'est-ce pas, Passepartout? Oui. Ah, il a dit oui. Aujourd'hui, il parle. C'est bien, Passepartout. Allez, on est prêt. Il va ouvrir la grille et aller frapper sur le gong. Population, écartez-vous! Écartez-vous! Pour 50 minutes et pas une de plus. Allons-y! C'est parti! Regardez. C'est là où vous allez devoir atterrir. Vous avez vu qu'il y a des tics derrière. Hein, il y a les coffres. Et pour entrer dans cette salle, il vous faut 18 clés. J'espère pour vous que vous les aurez. C'est difficile. Attention, car les tigres, vous savez ce que c'est les tigres, méfiez-vous. Suivez-moi maintenant, on continue la visite. Si vous n'arrivez pas à avoir ces 18 clés, ce qui à mon avis sera le cas, vous allez devoir passer par des souterrains complètement inondés, avec des choses pas très catholiques dedans. Il faut nager, il faut plonger, faire des choses... Bon, vous verrez bien. Donc, mais il faudra soulever cette pierre, la tracter et plonger les uns après les autres pour parvenir à la salle du trésor. Impressionné là pour le moment? Un petit peu. Agnès, ouais. Elle a l'air. Agnès, ouais, elle fait. Ouais. Très, hein, Agnès, elle a l'air. Faites-vous voir ma petite Agnès là, ça va bien? Un petit peu. Oui, un petit peu. Hein. On était des contrats comme ça. Voici la clé des deux premières portes vers l'aventure. Il peut faire le bien, il peut faire le mal,
Il purifie ou il détruit. Il laisse derrière lui un goût de cendre. Le feu. Bravo. Attention. Oh. La voilà. Oh. Allez. Attendez une seconde. Vous avez une chance formidable. On dirait un peu que c'est un signe du destin. Parce que j'ai oublié de dire que vous étiez pompier. Et la première réponse, c'était le feu. Ouais. On y va. Allez. Voilà, tout est beau. Première épreuve, je sais pas pourquoi je sens que ça se passe bien pour vous. Vous êtes complètement motivé. Alors, première épreuve. Oh non, on vous a plutôt fait un cadeau. C'est un homme ou une femme, d'abord le choix. Le capitaine choisit homme ou femme. Philippe. On va faire un homme, très bien. C'est une épreuve qui demande, je vous le dis tout de suite, de l'attention. C'est pas une épreuve physique. Il faut essayer, c'est toujours encourageant d'avoir cette clé. On sait jamais, en plus c'est peut-être celle qui ouvre... Tu cherches la clé avant, tu prends 5 minutes. Hein. Oh, secondes, 5 minutes, ça fait pas 5 minutes. Attention, clip clip. Oui, 5 secondes plutôt que 5 minutes. Groupez-vous. Ces trois petites clés salle, hein, pour ouvrir trois petits cadenas et s'emparer de la vraie clé. T'as vu Philippe, là hein. Il fait chercher quelque chose. Ouais, toi, hein. Il a le droit de l'enlever. J'observe bien tes doigts. Vous pouvez donner des conseils, mais il est seul à faire le choix. Observe bien ses doigts. Vous avez peut-être déjà compris que chaque clé est la clé d'un cadenas qui va ouvrir. Il y a trois cadenas, et comme ça, il aura la grosse clé. Il faut qu'il aille assez vite. Vous surveillez bien la clepside, il y a quelqu'un qui surveille. D'accord, on est calme. En même temps, on regarde. À droite. Oui, il y a déjà une clé, vite. Elle correspond à une couleur de cadenas. Elle correspond à une couleur de cadenas. Une couleur, il y a une couleur. C'est très bien, vite. Vous en avez un, vite. On enchaîne. Ça descend doucement pour le moment, c'est bon Philippe. On regarde bien ses doigts. Ouais, petit suspense là. Non, aïe, je bouge. Vite, on continue, Au milieu. Oui, deuxième cadenas. C'est bon encore, vite. Deuxième cadenas, impeccable jusqu'à maintenant. Vite, troisième. C'est bon. Il fait exprès, il va lentement le corsaire. Il va très lentement, c'est un corsaire lent. Non, aïe, dommage. Allez Philippe, allez, on est là. Agnès, vous surveillez bien hein, la clepside. Ouais, observe bien. Ah, ils ont mis quelqu'un sur la clepside, là, c'est Agnès. Agnès, là, on la voit. Elle surveille d'un œil. Allez, attention, parce que ça va descendre de plus en plus vite. Oui, vite. Allez, tu Philippe, c'est de chez vous. Allez rejoindre Marie derrière Passepartout. Allez. Allez, voilà, ils sont formidables. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a affaire à une équipe de choc. Hein. Vous avez déjà deux clés, les deux premières. Une équipe de pompiers de Paris, là, je crois qu'ils sont fiers de vous. Hein. Alors, c'est à une demoiselle que cette épreuve s'adresse. Il vous reste 44 minutes, on a largement le temps, c'est tranquille et tout. Une demoiselle, d'ailleurs, chez les pompiers, on les garde jalousement. Je crois, si j'ai bien compris, que vous étiez 40 femmes pour 7000 hommes à Paris. Alors, et on en a deux avec nous, c'est formidable. Laquelle on envoie ? Allez, devant la porte, je ne vous dis rien sur l'épreuve, vous allez découvrir en arrivant. Attention, c'est parti. Allez, Isabelle. Et on surveille la clepside. Regardez, il faut un petit peu de réflexion. Un petit peu de réflexion. La clé, et voilà, je pense qu'elle a vu la clé qui se trouve au milieu. Alors il faut dégager. Faut qu'il le déplace. Voilà, allez, vous avez tous joué à ce jeu quand vous étiez petit, j'espère. Voilà. Le pouce-pouce, ça vous dit rien. Et allez, et on déplace rapidement, hein, parce qu'il y a quand même du temps qui s'écoule. Voilà. Allez, elle est bien partie, il faut l'emmener au milieu. Voilà. C'est ça, allez. Oui, en voilà un. Formidable. Allez, on penche.
va chercher l'autre coin. Le même problème. Exactement la même chose. Allez. Voilà, en haut, voilà. Allez, tu descends. Ouais. Allez, vous surveillez la clepsydre, bien sûr. Allez, oui, je surveille. Oui, voilà, allez, il est sur la ligne, on descend. Encore une petite manipulation avant. Voilà. Allez Isabelle, vas-y. Oui, il faut quand même un petit peu accélérer parce que le temps s'écoule. Vas-y, voilà. Notre ennemi principal, le temps. Allez Isabelle. Pousse celui-là, oui. Oui, allez, encore une petite manipulation. Attention, elle a pas fait attention, elle va perdre du temps. Voilà. T'inquiète pas, ça descend complètement. C'est bien, tu vas y arriver, Isabelle. Allez, vite, là, ça va être in extremis. Vous n'avez pas fait attention qu'au bout de trois palais en place seulement vous pouviez la sortir. Vous étiez tellement occupé, mais c'est génial. C'est formidable, on suit Monsieur Passepartout. Et on enchaîne. Quatrième épreuve. Vous êtes particulièrement entraîné pour Fort Boyard, mais pour le moment, vous arrivez à le mettre à plat, ce Fort Boyard. Rien. 41-30, il vous reste. Épreuve pour un homme fort, très fort. Notre homme fort. Qui c'est l'homme fort? Qui c'est l'homme fort? Il est là. Carl, attention. C'est notre capitaine. Carl, attention, je me dirige. Okay. N'oubliez pas que quelqu'un surveille toujours, c'est toujours la clepsydre. C'est toujours moi. La porte est ouverte, pas Passepartout. Carl, prenez allez, votre Carl, temps. Bon courage. Bon, je vois une grille. Ma clé, elle est là-haut. Elle est suspendue. Avec quoi allez-vous l'atteindre, Carl? T'as quelque chose pour monter? Non, je peux pas, j'ai une grille qui m'empêche de passer. Y'a quelque chose qui m'empêche de passer? J'ai voilà. Par contre voilà. Un oubli sur roulette avec une... Essaye de l'atteindre. J'ai tout. Voilà. Essaye avec ça. Faut y aller, là. C'est un jeu de balistique, ça. Voilà, il faut aller plus fort. Il faut que tu ailles plus fort, Carl. Hein. Plus fort. Vise, Carl. Et puis, il faut que tu... Voilà. Eh oui, il faut viser avant. Faut qu'il vise avant. Hein. Voilà. Oui. Un peu tard. Et il est... Regarde bien, prends ton temps, Carl. Il n'est pas si fort que ça, Carl. Hein. Allez, va en train. Oui. Ouais. Ça descend encore doucement. Attends encore le temps, là, pour le moment. Boum. Et encore un peu fort. Oh, c'est fort. Maintenant. Allez. C'est trop tard. Allez, voilà, il surveille la clepsydre. Vous surveillez Agnès, allez, hein. Ça commence à descendre, mais t'as encore du temps. Ouais. Ça commence à descendre. Allez, la pêche, là. Allez, la pêche. Ah, ouais. T'es là, non? Non, t'as pas tombé. Non. T'en es à la moitié de ton temps. Il y a la force. Allez, là, ouais. Il a pratiquement eu, gars. Encouragez-le. Pas du tout. Tout va bien pour le temps. Allez, encore deux, trois fois. Il passe beaucoup de temps là, hein. Comme vous voulez. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la clepsydre. Hein. Il y a un temps total. Hein. À mon avis, qu'il essaye encore une fois. Puis... Ouais, tout sort. Je crois qu'il va pas y arriver. Ouais, ça fait rien. Vous êtes très bon jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas eu cette clé. C'était difficile, hein, n'est-ce pas, Carl? Un peu difficile. Un peu. Non, c'est la force qui était, mais. Ouais, mais la pas force, la coordination. Je pense pas tout le temps, hein, Carl. Vous me décevez un petit peu. Je suis juste ici, je vous récupère là. Bon, c'est pas grave, vous avez joué un petit peu avec nos nerfs là. Hein, ouais, c'est difficile ouais, à suivre. Enfin... Alors, il vous reste 37 minutes 30. Largement de quoi attraper. Un maximum de clim. Il faut encore une demoiselle. Alors, on va y aller. Agnès, sans ouais, doute. Alors, Agnès, chacun derrière la porte. Et puis, on découvre avec vous ce qui s'y passe. Attention, c'est parti. Voilà, vous entrez, vous nous commentez. Nous, on suit tout ce qui se passe ici. Voilà. Alors, je vois une clé au milieu là. Un mur. Alors, je vous dis, mon cher, la clé est en haut. Regardez bien ce qu'il y a en bas. Mais ça glisse. Regardez bien si vous avez une prise en bas. Ça glisse. Si vous êtes un pompier, ça doit être facile. Ah, en escalade, ça glisse, attention. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la prise de pied qui se trouve en bas?
Non, pas du tout, il n'y en a pas. Si, il y en a une, regardez bien, il y en a une. Regarde bien alors, hein. Regarde bien, Sina. Voilà. Sur la gauche, Agnès. Voilà, déjà le pied est calé. C'est bon. On continue comme ça. Allez, on l'encourage, hein. Un pied, deux pieds. Alors, elle a le choix, là, pour le chemin. C'est pas facile, là, quand même, hein, je vous dis. Allez, on l'encourage, quand même. Elle a trouvé une prise sur sa gauche. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon passage sur la gauche? Attention, hein. Oui, regarde si tu peux y aller par l'eau. Attention. Parce que la clé est tout en haut. Tout en haut, tout en haut. À mon avis, vous avez pris une voie un petit peu piège, là. Difficile. Essayez de voir, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà, j'en descends. Et redescendez, voilà, pas plus loin. Non, repartez à gauche, quand même. On part pareil, et après tu... De l'autre côté, tu dévies, Agnès, que la clé est de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, il faut qu'elle, reparte au même endroit. Deux pieds en bas, à gauche. Mais comment... Alors attendez, parce que vous savez, c'est difficile, quand même. Allez, vous commencez en bas et vous bifurquerez. Bon, elle a trouvé un passage. Je ne sais pas si elle va s'en sortir comme ça, mais on l'encourage. Allez, on l'encourage. Il n'y a plus beaucoup de temps. On va être... Dépêche-toi, Agnès. Allez, sors. Non, je crois qu'il ne pourrait pas l'atteindre. Hein. Vous croyez? Agnès, essaye, là. Sors. Ah, écoutez, alors là, maintenant... Sors, maintenant, sors, le... sors. Là, problème de temps, hein. Voilà. Voilà, on va l'aider. Allez, c'est, bon. C'est pas grave. Bon, bah, écoutez, il vous reste... C'est très difficile, hein. Oui, il vous reste 35 minutes 30 et vous avez 3 clés. Mais attention, là, ces deux épreuves fonctionnaient ensemble. Je vous ai expliqué les histoires de groupe d'épreuves. Donc maintenant, vous n'avez plus de clés pour aller dans le groupe suivant de deux épreuves. Il faut faire appel à votre camarade en vigie. Patrick ! Le fort est un piège. Un ami facétieux et bizarre collectionnait les armes de chasse. Un jour, il voulut se débarrasser de l'une d'entre elles et il faillit devenir fou. Pourquoi ? Je répète. Un ami facétieux et bizarre collectionnait les armes de chasse. Il m'affirma qu'un jour, en voulant se débarrasser de l'une d'elles, il faillit devenir fou. Pourquoi ? Il a failli se tirer dessus ? Non. Un ami facétieux et bizarre. Non. Le temps est écoulé. Il s'agissait d'un boomerang. Il la lançait et l'arme revenait. Eh oui. Votre ami n'a pas répondu. Vous descendez par cet escalier, repêchez la clé, viennent tomber à la mer. Attention. Eh oui, ça mouille un peu, hein. Elle est bonne. Allez, et maintenant on court. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais cette équipe de pompiers est fort sympathique. Et en plus, pour une fois, ça les changera un peu. Pour eux, il n'y a pas le feu puisqu'il leur reste à peu près 32 minutes. On attendait dès qu'il doit arriver avec la clé. Et le voilà ! André, Passepartout, ça va ? Pas trop mouillé ? Bien ! Alors, il vous y reste environ 32 minutes, ça marche pas mal. Je vais regarder l'épreuve, c'est un homme ou une femme indifféremment, il faut de l'adresse. Je vous dis que ça ? J'ai désigné. Allez, vous avez désigné, Daniel a été désigné. C'est votre chef dans la vie ou pas ? C'est notre chef. Ah, et vous, c'est vous qui êtes chef. Là, c'est moi qui ça vous change, moi. J'en profite. Attention, Daniel, tout de suite. Allez, Daniel, bon courage. Qu'est-ce qu'il lui montre, là ? Ah, ouais, d'accord. Vous avez compris le principe, là ? Il faut que tu essaies de le faire plus vite pour lui. Ah, ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile.
Dites-lui au moins, donnez-lui le déclenchement peut-être qu'elle tombe en temps. Ah non, ça c'est... Non, 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 ça le fait partir. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur complète. Concentre-toi. Ça a du réflexe à pompier normalement là. Hein? Allez, coupez, regardez-le bien, regardez, c'est à vous que regardez. Encouragez-le bien, ah! Allez, Daniel! Oh là, non, non, non. Il a toujours le temps, Daniel, c'est impeccable. Il a envie de l'avoir, il a envie de l'avoir, à mon avis, il va l'avoir. Voilà. Oh là là! Allez, essaye de plus de rapidité. La clepsydre, on regarde la clepsydre, on jette un petit coup d'œil, ça va? T'as le temps, hein, Daniel. Ah, il a le temps, mais... Le temps total court aussi. Hein. Plus rapide que ça, c'est oui, oui. Allez, oui, dernière fois, là, tu l'as cette fois. Fais ce qu'il peut. Allez, oh là, allez, c'est presque fois. Ça. Allez, Daniel. Encore une fois. Voilà. Fini, vous le faites sortir, Bien, Daniel, c'était comment, cette épreuve, alors Il est rapide. Il est rapide. Vous aussi, quand même, non? Ah, oui, mais et le plus rapide entre nous, c'est Passepartout, vous le suivez. Il vous reste 30 minutes. Alors attention, il vous faut une clé dans ce groupe de deux épreuves. Donc ici, il vous faut la clé, sinon on va retourner en vigie. Alors c'est encore à une demoiselle que cette épreuve s'adresse. Bah, qui va? Allez, je me lance. Alors, allez. Ça va être Agnès. Il ne faut pas avoir trop peur. Hein. On y va. Attention, je retourne à clepsydre. Entrez. Allez, Agnès. Courage, Agnès. On te supporte. Hein. Regardez ce qui se passe, un petit peu commenté. Où est la clé? À votre avis? On t'entend pas beaucoup. T'as des flacons. Bah, écoutez, pour le moment, je cherche la clé. Je la vois pas trop. Je vois des souris au milieu. Il va sûrement falloir la chercher, cette clé, si elle n'est pas visible. Il y a des sacs de tonneaux. Il y a des... Voilà, il va falloir fouiller. Qu'est-ce qu'il... Fouille, Agnès. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus, là, dans le filet? C'est quoi qu'il y a dans le filet? Il y a un hôtel avec des souris. Ouh là là, des souris. Mais je vois pas la clé. Eh bien, il faut la chercher. Il faut la chercher. Essaye de voir dans les bocaux qui sont par terre. Allez, on fouille. Là, devant toi. Allez, on fouille les dames Jeanne, là. Mets la main dedans, Agnès. Elle hésite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Allez, on cherche. Allez, rien. Vas-y. Et c'est que si elle a peur des souris, cette demoiselle, ça ne fait rien. Ne vous mangeront pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Allez. Allez, chez les pompiers, on est habitués, on n'a peur de rien. Hein. Allez, Agnès, jusqu'au fond. Allez, faut que je me dépêche. Et allez, jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Il y a quelques chaises dans chaque dame Jeanne. Hein, je vous signale qu'il y a quelque chose. Il y a une chose dans chacune, donc il faut bien reconnaître la clé. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle a trouvé là? Non, c'est pas ça. Eh oui, il y a quelque chose dans chaque truc. C'est le piège, hein. Non, pour reconnaître la clé, il faut aller jusqu'au fond. J'ai encore du temps. Allez, on regarde la clepsydre, c'est bon, il y a du temps. Allez, Agnès, jusqu'au fond. Allez, une clé, ça se distingue quand même. Allez, vas-y, continue comme ça. Voilà. Qu'elle fasse ça méthodiquement, refouillez pas celle que vous avez déjà fouillée. Allez, Agnès, dépêche-toi. Allez. Tranquillement, vous allez y arriver. Quelque part cette clé. Allez. Mais oui, elle est forcément dans une dame Jeanne. Allez, Agnès. Elle doit être quelque part, il faut que je l'ai. Est-ce que vous avez senti des souris dans le fond? Est-ce qu'il y a des souris? Ouais, tout à l'heure, elle a vu. Oui, elle a poussé un petit cri tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez poussé un petit cri? Non, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, il y avait des objets. Bon, alors on rencontre des choses gluantes. Alors, c'est pas grave. On enchaîne, voilà. Parce que le temps court pendant ce temps. Suivez Monsieur Passepartout pour rejoindre Patrice. Eh bien, jusqu'à maintenant, vous êtes une formidable équipe. Ça va, vous amusez bien, ouais, parce qu'on peut s'amuser aussi. Bon, alors là, il vous reste 27-30, c'est bien, vous avez 5 clés, c'est ça? Oui. Vous pouvez en avoir au moins 2 ou 3 encore, facile. Alors attention, là, il faut un homme ou une femme, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment peur. Hein. Parce que là, franchement, il y a, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a de l'émotion, il y a du risque, il y a tout ça. Qui n'a pas vraiment peur? Daniel, il n'y a pas peur? Allez, Daniel, il n'y a pas peur? Il n'y a pas peur, Daniel? Clepsydre, c'est parti. Alors regardez bien ce qu'il fait. Regardez bien ce qu'il fait. Daniel, cherchez la clé. Dites-lui. Elle est où la clé? Elle est là, elle est accrochée, voilà. Au bout. Ah, d'accord. Allez, voilà, ok. Ah, ça y est, il est déjà dans la cage. Il a tout compris. Voilà. Sur le dos. Il est mal placé là. Il faut rentrer complètement dans la cage. Il faut rentrer dans la cage, allongez-vous. Voilà, il a compris.
Ah là, il a tout compris. Il faut qu'il aille vite maintenant. Non, il faut qu'il ne passe pas. Ah, il a compris la petite technique. Ah, bravo, Daniel. Et là, il y a 25 mètres. Il y a 25 mètres dessous, je vous dis tout de suite. Hein. C'est vrai que les pompiers n'ont pas peur de ça, on est bien d'accord. Oh là là, il est excellent. Oh là là, qu'il est bon, oh là là, qu'il est bon, c'est merveilleux. Bravo. Ah, c'est enthousiasmant. Même passe-partout applaudit comme un fou, n'est-ce pas mon petit passe-partout? Il applaudit comme un fou, voilà. Bien, attention aux mains quand même, qu'il se passe pas mal. Hein. Faut pas qu'il se blesse. Oh là, il a tout à fait le temps. Il a tout. Qui se blesse. Faites attention à ce qu'il ne blesse pas. Hein. Oh là là, c'est formidable. Ça, je dois dire que. Et l'image est très belle aussi de Daniel triomphateur. Vous lui faites un triomphe. Un triomphe, vous lui faites. Daniel, formidable. Daniel. Hey, dessous le précipice, ça vous fait un peu peur ou pas? Ah non, hein, pas peur, mais alors entendez. Vous avez jamais peur, vous avez bu d'eau, tu es les pompiers. Ah, j'espère, ouais, ouais. Allez, on continue, allez-y, allez-y. Ils sont formidables, dites-moi, dans les casernes à Paris, ça doit être le délire, là, ils vous encouragent, hein. Alors, mais c'est pas fini, ça n'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans cette cellule, une clé, il me faut un homme, vite, c'est Karl. Alors, attention, Karl, vous allez découvrir ce qui se passe à l'intérieur, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, passe-partout. Bon, je vois un tas de sable. Vous l'écoutez? Je vois une pelle. Je pense que la clé doit être dedans. Oui, bonne déduction à mon avis. Hein. T'as ouais. Alors, on tamise. Allez, vas-y, Karl. Allez, 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 Karl. Ah, mais il y a plein d'objets. Il y a plein d'autres objets. Ne vous laissez pas perturber. Il y a plein de choses dans ce sable. Il faut trouver la clé. Allez, c'est bon, Karl. Ça descend doucement pour le moment. Surveillez la clepsydre, hein. Allez, c'est bien. Allez, continue. Il l'entendra. Il l'entendra vraisemblablement. Allez, dépêche-toi. Allez, il accélère, hein, parce que. Et oui, c'est allez, bien. Non, c'est pas ça encore. Allez, encore. Allez, tu as encore du temps. Allez, ça descend toujours tout doucement. C'est pas plus vite. Il y a encore du temps, vous surveillez. Hein. Et oui, imaginez qu'il y a quelqu'un à dégager, là, il faut faire vite. Hein. Dépêche-toi. Allez, encore un petit peu. Tu te dépêches maintenant, hein. Tout le temps. Miser tout le tas là, allez, j'ai l'impression. Ça descend vite, attends. Vite, sors, sors maintenant, sors. Faites-le sortir. Voilà. Donc vous avez tamisé très très rapidement, malheureusement, on n'a pas trouvé la clé. Elle était très loin, certainement. Ça n'est pas grave, vous venez de gagner une clé, vous avez donc accès au groupe d'épreuves suivant. On suit Monsieur Passepartout, vous retrouvez Patrice. Bon, voilà, ils arrivent. Oh là là, vous savez, vous avez raté une épreuve, mais vous en êtes pour autant sur le sable, hein. On est bien d'accord. Elle est très bonne, celle-là. Alors, vous savez, je trouve tellement bien, jusqu'à maintenant, vous avez cyclé 23 minutes, j'en ai enlevé mon chapeau, d'ailleurs, je vous tire mon chapeau. Alors, attention, là, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je dis, c'est simple, c'est pas du tout simple, c'est très compliqué. Il faut absolument une femme. Et une femme qui ne soit pas. Qui n'ait pas vraiment peur, quoi, hein. Bon, qui soit pas. Qui soit agile. On est prête? Qu'est-ce qui va? Isabelle. Allez, bon courage. Isabelle, allez-y! Allez, tu y vas, on compte sur toi, hein! Qu'est-ce qu'il y a là? Donc elle repart vite pour eux. Elle est où la clé? Où est la clé? Je l'ai vue! Tu l'as vue? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut que tu rentres, non? Il faut que tu. Elle est là! Montez! Mais il faut bien. Il n'y a qu'un passage là! Faut que tu rentres, ouais! Ici? Faut que tu ailles dedans! Allez, Isabelle, n'hésite pas! Vas-y! Tu n'hésites pas! Allez, Isabelle! Très dur, hein. Surveillez la clepsydre. Comme ça. Allez, Isabelle. Allez, continue. C'est bien, Isabelle. Oh la pauvre. Allez, monte, Isabelle. C'est bien. Allez, Isabelle, c'est bien. Oh la pauvre. Allez, du courage, Isabelle. Oh là là, le pauvre. Du courage. Allez, je ne dis pas peur.
tour, Isabelle. Allez, tu vas la voir, c'est comme mon tour. Allez, Isabelle, c'est bien. Elle est excellente. Allez, tu montes, Isabelle. Allez, c'est bien. Elle est géniale, même. Ah ouais, après, il faut qu'elle descende. C'est bien, tu as du temps pour le moment. Oui, il faut qu'elle descende par le même, endroit. Hein. Ouais, elle y arrive, elle arrive. Elle n'est pas claustrophobe, j'espère. Hein? Ouais, allez, il faut redescendre. Oh là 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 là. Petit regard sur la clepsydre, ça va, oui? Ouais. Elle est bonne, encouragez-la! Allez, c'est bien, tu as encore du temps, c'est bien! Oh la pauvre, elle doit souffrir là! Elle doit souffrir! Formidable! Regardez la clepsydre! C'était très bien. Est-ce que c'était vraiment très bien, Isabelle? Non, ça a été. Ça a été. Mais... vous voulez continuer? Oui, on continue. Allez, allez-y. Voilà. Allez, c'est bien, Isabelle. Et ils sont toujours aussi fantastiques. Alors là, vraiment, très fiers de vous, vraiment. Vous êtes un petit peu râpés, là. Alors, vous avez, il vous reste 20 minutes, vous avez 7 clés, c'est toujours fantastique. Il me faut un homme pour cette épreuve, un homme voilà, plutôt grand, c'est bien. Oh, il faut de l'agilité, de la force, vous allez voir. C'est pas évident, mais enfin, on va y arriver. Hein. Vous êtes prêts? Courage. C'est parti. Allez, on est avec toi. Allez. Alors, il regarde un petit peu comment ça se passe. La clé est au bout. Ah oui, elle est accrochée. Elle est au plafond, à l'autre bout de la salle. Fille, tu l'as vu? Alors, oui, il a des instruments. Voilà, je crois qu'il a compris. Il a compris. Allez, par la porte du bras. Voilà, il met. Voilà, mets les pieds, oui. Voilà, et ben voilà, formidable. Oh, s'il en perd un. Bien joué, super. Alors là, il s'agit de ne pas s'énerver. Pas trop vite, et de progresser tranquillement. T'as du temps, continue comme ça. Et vous surveillez le temps, hein. Lâche ton pied et accroche. Voilà. Allez, c'est pas facile, hein. Suspendu au plafond comme ça. Décroche. Voilà. C'est bien. Oui. Allez. Soufflez bien, hein. Tu as du temps. Je l'entends qui souffle là. Arrivé au bout, oui, il se débrouille. Bien sûr. Attends, on doit dire que vous faites une équipe vraiment en coin, là. Hein. On est avec toi, là. Allez, vas-y. Oui, il a la clé. Et voilà. Il arrive. Mais c'est formidable, regardez. Vous aviez encore le temps de faire l'aller-retour. La huitième clé, on la donne à Passepartout. Et on continue ce parcours fabuleux. Allez, on y va. Passepartout, c'est par où? Allez, vous le suivez. Ils ont 8 clés, formidable équipe, il faut le dire, avec du punch, avec du sourire, avec un énorme enthousiasme, c'est formidable, ça marche formidable, vous avez 18 minutes. Alors là, il faut impérativement une femme agile, et qui mette ce bandeau avec ses deux petits poignets. Aidez-la, mettez les poignets avec elle, voilà, tout va bien, le bandeau, oui, à mon avis, vous mettez sur la tête. Il faut être agile, il faut être souple, il faut être tout ce que vous voulez, c'est assez nouveau, vous allez voir. Vous êtes prête? J'attends mon équipe pour qu'elle me conseille. Allez-y. Pas de problème. On est allez-y. Avec toi, Agnès. Doucement. Hein. Chaque fois qu'Agnès brisera un rayon, une sonnerie retentira. Cette clé descendra d'un cran. À la troisième sonnerie, la clé disparaîtra. Tenez-vous à votre gauche, Isabelle. Ou à votre droite, je ne sais pas. Sur le mur, on l'a touché. Tu l'as vu? Alors, attendez, non, j'avoue pas. Hein. Vous voyez une grille? Et derrière cette grille? Je vois la grille, mais je vois pas la clé. À votre gauche, si vous êtes... parce que là, on vous voit pas très très bien. Alors attendez, j'avance. Non, n'avancez pas trop. Regardez à votre gauche, derrière la grille, Isabelle. À gauche, derrière la grille. Mais je vois. Sur le mur, elle voit l'espèce de... Non, vous pouvez pas la prendre. Alors, Isabelle, enfoncez-vous dans cet enchevêtrement de... De faisceau, là, faut que tu passes au Agnès. Faut que tu passes sans qu'il te touche. N'y touchez pas surtout, hein. N'y touchez pas, Isabelle. Ouais, c'est ça. Alors, où est cette clé? Vous la voyez?
Non, non, mais continuez, continuez. Il y a un chemin, un parcours, Isabelle. Hein, mais surtout, ne touchez à rien. C'est Agnès, pardon, c'est Agnès, oui. Le pochicha est mort, pardon, excusez-moi. Voilà. Oui. C'est bien, là, tu t'en approches. Voilà, tu vas tout doucement. Ouais, c'est la clé. Ouais. Regarde. T'as du temps devant toi. Elle est suspendue ainsi, Agnès. Non, 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 elle n'est pas suspendue un fou. Non, 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 c'est un effet d'optique, ça. Mais pour le moment, elle progresse bien. Elle a tout un chemin à faire avant d'aller à la clé. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Allez, continue, Agnès, avant. Si elle touche, vous allez entendre un petit bruit. Ne touche pas, Agnès. Hein. Ah, voilà. Première sonnerie. Non, 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 continuez le chemin, Agnès. Croyez-moi, continuez droit devant vous, sans toucher. Mais attention, vous n'aurez pas plusieurs fois le bruit. Au bout d'un certain nombre de sonnettes, vous serez, la clé aura disparu. Vous allez vous toucher les fils, surtout. Continue tout droit, Agnès. C'est pas évident. Oui, surtout qu'en plus, elle ne peut pas arracher les fils si elle doit sortir. Elle doit ressortir par le même chemin, hein, je veux dire, sans arracher les fils. Alors non, peut-être pas. Là. Vous en êtes où, Agnès? Vous voyez déjà un nouveau chemin? Dépêche-toi! Agnès, dépêche-toi! Putain, Agnès! Allez, sors! Dépêche-toi! Agnès, sors! Mais sors! Oui, oui, regarde. Alors, Agnès! Dépêche-toi! Ça sonne drôle, là! Alors, Agnès! Oh là là, bah, ça a sonné 48 fois, là! Faut qu'elle sorte! Oh là là! Puis elle, ça sonne! Elle a plus le temps de rien du tout, là! C'est parti! Allez, Agnès! Allez, Agnès, j'ai déjà ouvert la porte, moi. Bon, Agnès, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, Agnès. Bah voilà, allez, ah ouais, 14h30, vous suivez passe-partout. C'est pas dramatique, vous n'êtes quand même pas tous des surhommes et des surfemmes, il faut bien échouer dans une épreuve. Alors attention, il vaudrait mieux quand même avoir cette clé-là si vous voulez pouvoir continuer le parcours pour accéder au groupe d'épreuves suivant. Alors il me faut un homme un peu combatif, fort, combattant. Alors on prend qui? Allez, Carl. Carl, ne vous laissez pas impressionner. Attention, c'est parti. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Voilà, c'est simple, hein, ce qu'il a à faire, là. Faut que tu le fasses tomber, là, mais lui, il raclait. Faut que tu le fasses tomber. Alors, okay. Eh ben, on se défend, on y va. Allez, Carl! Allez, pour Carl, pour quelqu'un comme lui, ça doit pas être difficile. Allez, vas-y! Il faut le déséquilibrer. Ah, bon, il a le droit de remonter, il remonte. Dépêche-toi, Carl! Voilà, on perd pas de temps. Par contre, il faudrait le faire tomber, ce personnage. Fais-le tomber! Un personnage tout à fait voyardesque, oui! C'est formidable! Fais tomber le truc! T'as largement le temps, il n'y a pas de problème. Alors là, vous avez été impressionnant! Vous avez impressionné notre personnage fort, là, notre personnage voyardesque. Il vous reste 13 minutes, et puis vous avez accès au groupe d'épreuve suivant, donc on y va, monsieur Passepartout. On rejoint Patrice. 9 clés, c'est superbe, hein. Ouais, c'est bien. Et l'enthousiasme est toujours autant... Ouais, ça va toujours, on a l'impression plus que jamais, de passer par-dessus ces épreuves comme ça. Alors, it's for a man. Oui, ce qui veut dire un garçon. Tout ça, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que... Est-ce que vous saviez que ce fort a été construit pour nous défendre, nous, les Français, contre les Anglais? Oui. Vous le saviez? Bah, tout va bien. Alors, c'est pour un homme. Un homme. Okay. Encore lui, c'est Daniel? Ah, d'accord, Daniel. Attention, clepsydre. Regardez-le. Elle est au plafond, Daniel. Hein, ouais, voilà, il a compris, il a empilé les pierres. D'accord. Oh, ça, c'est un genre de pyramide. Il y a des couleurs. Ouais, on va prendre les couleurs. Tu as vu les couleurs, Daniel? Ouais, c'est bon, il a vu. Ouais. Allez. Continue, voilà, c'est bien. Attention, t'as du fer, là. Ah, il se demande là. Il redéfait tout. Alors. Bon, d'accord. C'est bon, pour le moment, ça a du temps. Alors, oui, mais enfin, bon, là, si on redéfait tout sans arrêt, ça va pas aller longtemps dans son truc. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est une sorte de puzzle, quoi. C'est un jeu d'enfance. Ne cherche pas trop. S'il est resté enfant, il devrait y arriver, hein. C'est un jeu d'enfant, ça, carrément. Ah oui, c'est vrai, c'est de... Hey, dépêche-toi, Daniel! Tes deux gamines te regardent, Daniel! Allez, prends ça, parce qu'elle, elle gagnerait là-dedans. Allez! Allez, Daniel! Ah, c'est bon, tu vas y arriver, là, hein? Oh là là! Oh là là, est-ce qu'il est bon, là? Ouais, je me le demande. Ouais, là, c'est bien! Allez! Allez!
Alors ça, là, on va voir s'il chute, ça va être rigolo. Oh là là, oh là là. Oh là. Oh là là, oh là là, oh là là. Attention, Daniel. Oh là là, il n'y arrive pas. Daniel. Il ressort. Ah, il ressort. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Là, j'ai pas pu rassembler. Comment vous avez pas pu, Daniel? Et vos gamines qui vous regardent? J'ai pas pu, ça n'est pas pu. Alors, il faut y aller, il faut faire la transition à notre épreuve. Allons-y. Allez, c'est parti. André. Alors, monsieur Passepartout, on se casse la figure. Alors, une épreuve au sommet du fort, vous allez pouvoir admirer le beau temps, le soleil extraordinaire. C'est pour un homme. Karl, c'est Karl qui est désigné, vous vous placez ici. Vous allez tout seul, comme un grand, monter les escaliers dès que je donnerai le top et retournerai la clé petite. Vous verrez ce qui se passe en haut, nous on suivra ici. Et pour lui donner, pour l'encourager, vous lui parlerez avec ce porte-voix à travers la grille. Allez. D'accord? Vous êtes prêts? Alors attention, je suis à la clepsydre. Hein? On y va, c'est parti. Il y a une clé à récupérer? Et oui, comme dans toutes les épreuves, il y a une clé à récupérer, bien sûr. À cet anneau est accrochée la clé. Les ballons retiennent l'anneau. Si beaucoup de ballons éclatent, l'anneau tombera sur la cage avec la clé. Ah ouais. Alors, vous ne le suivez pas, bien sûr, là pour le moment, sur le moniteur. Ça n'est pas grave. Voilà, il a compris tout de suite. De toute façon, il y a des ballons à crever pour faire descendre la clé. Alors, si vous voulez l'encourager, ben, les enfants, allez-y. Vous appuyez sur le bouton. Allez, Karl. Allez, approchez-vous de la grille. Allez, qu'ils vous entendent. Donne-moi ce ballon. Vous appuyez sur le bouton, il vous entendra. Hein. Là, vous avez le doigt dessus, c'est bien. Voilà. Allez, Karl. Dites-lui que vous êtes avec lui. Qu'il sente. Allez, Karl. Plus vite, Karl. Eh oui, Karl. Favorable ou défavorable, le vent fait aussi partie du jeu. Non, voilà, laissez comme c'est parfait. Continuez à l'encourager, qu'il ne se sente pas tout seul. Allez, Karl, on est avec toi. Karl, vas-y, Karl. Allez, c'est bon, ça descend là. C'est qu'avec le vent, ça ne doit pas être simple. Allez, Karl. Allez, encore. La dixième, Karl. Il y en a peut-être plus. Allez, c'est bon, ça descend tout doucement, toujours. Allez, Karl. Allez. La clepsydre, on surveille. Attention, attention qu'il ne reste pas prisonnier. C'est important que vous n'ayez pas de prisonnier quand même. Hein. Surveillez bien qu'il ait le temps de revenir quand vous lui direz. Il ressort, il arrive. T'as la clé, Karl ? Non, ça fait rien, c'est bon. Vous n'avez pas eu cette dixième clé. Alors, écoutez bien. Il vous reste environ 8 minutes. Vous avez un choix très très important à faire et très rapide. Vous n'avez pas de prisonnier, pas besoin de délivrer les prisonniers. Vous avez le choix soit d'aller chercher la clé que vous n'avez pas eue dans cette épreuve à la vigie, mais vous allez perdre du temps ensuite, soit de descendre directement à la salle du trésor. Qu'est-ce que vous pensez? Il vous reste environ 8 minutes. Hein. Moi, on préfère descendre à la salle des... Vous préférez descendre à la salle des coffres? Alors, votre camarade Patrick va nous rejoindre en bras et nous, on retrouve tout le monde, bien sûr, Patrick y compris. Tout en bas, on suit Monsieur Passepartout. Et on va passer à l'opération salle du trésor. Patrick, avec nous. Tu crois qu'il nous entend? Mais je sais pas, non. Alors, accélère. Bien, alors, il vous reste 6 minutes 30 pour amasser le maximum de pièces. Première chose, 2 là pour soulever la pierre. Allez, la mettre de côté. Dépêchons-nous. Allez, un ici, dès qu'elle sera en l'air, vous la mettrez de côté. Allez-y. Vous pouvez laisser les femmes aussi, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, maintenant, laissez-le tirer de l'autre côté. Vous la mettez bien de côté. Maintenant, on tire là-bas. Voilà, formidable. Très bien, attention, pas de risque. Laissez tomber, tranquille, enlevez vos pieds. Voilà, maintenant, les chaussures. Vite. Le plongeur va prendre les lunettes, là. Le plongeur met les lunettes, tout le monde prend des lampes. Et vous y allez à toute vitesse maintenant, vous pouvez commencer à descendre, votre camarade intellectuel vous a rejoint? Oui, il est là. On y va, les clés, quelqu'un les prend, le plongeur, on y va. Allez, vous enfournez tous là-dedans, ça va être terrible, je vous le dis tout de suite. Et dépêchez-vous à descendre, hein. Descendons, tous, vite. Et vous pouvez crier, ça va être terrible, je vous le dis. Il y a des fantômes, il y a des sirènes, il y a tout ce qu'on veut, les femmes passent partout. Bah alors, Passepartout. Hein, mon petit Passepartout. Hey, Patrice, hey, Patrice. Allez.
Vous signalez votre arrivée, hein? Vous signalez votre arrivée? Ne sortez pas, les tigres sont là, ne sortez pas. On peut rentrer les tigres, Mike. Vous êtes arrivés? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Allez-y, allez-y. Allez-y, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Vous avez deux crans. Vous avez deux crans d'avancer maintenant pour ramasser les pièces. Allez, les clés, les clés. Vous avez neuf clés, dépêchez-vous avec les clés. Oh là 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 là. Neuf coffres à vider. Pas de sac. Pas de vêtements. Pour emporter. Les tigres vont progresser vers vous. Jetez un coup d'œil sur les tigres et sur la porte. Allez, vous pouvez laisser chez vous là. On s'éteint. Aïe, 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 aïe. Allez, vite, vite. Allez, vite, chez vous un peu là. Vous voyez les coffres, je vous en supplie. Ne pas ouvrir. Oh, aïe, 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 aïe. Si vous n'arrivez pas, prenez un autre coffre, mais dépêchez-vous surtout. Les tigres trop progressent vers vous. Allez, allez, plongez une partout. Jetez un coup d'œil sur la porte aussi de temps en temps. Daniel, la porte est là. Daniel, laissez votre lampe. Attention aux tigres, attention à la porte. Les tigres progressent vers vous et la porte va bientôt commencer à descendre. Les tigres sont tous proches de vous. Attention, la porte commence à descendre. Surveillez la porte. Elle commence à descendre. Ceux qui resteront sont obligés de lâcher leurs pièces. Ne ramassez pas les pièces. C'est pas mal, c'est bien. Vous avez, ils finissent par ramasser Isabelle, elle ramasse, c'est bien. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle, c'est bien. C'est formidable. Vous pouviez, vous aviez encore un peu de temps. Allez, poussez maintenant, poussez avec le dos là. Et voilà. Attention Romain. Voilà, alors doucement, sortez maintenant. Les pièces que vous laissez voilà, tomber vous par terre. Vous venez les mettre dans la balance. Tranquillement, dans la balance, tranquillement. Allons-y. Tranquillement. Ah, c'est joli, c'est une belle moisson, encore, oh, il arrive, oh là là, Daniel, il y en a plein, oh là là, c'est pas mal, encore, il n'y en a plus du tout, la balance va se stabiliser, attention, la balance se stabilise, vous gagnez, vous avez gagné, mesdames et messieurs, si j'ose dire, 93 000, 80 francs formidable. Alors, paradoxalement, venez, tiens, ma chère Isabelle, paradoxalement, vous aviez 9 clés,
On aurait pu penser que vous auriez gagné plus d'argent, ce qui est déjà une très belle somme. Je sais bien que les téléspectateurs vont se dire déjà 93 000 francs, c'est formidable. Mais on a l'impression que pour les pièces, ça a moins bien marché. Ben, on était un peu paniqués, je crois que... Et finalement, est-ce que la morale de cette histoire ne voudrait pas dire que vous n'êtes pas venu pour la part du gain, mais pour le challenge? On est juste venu pour le jeu, pour le challenge, pour le fun. Et vous avez vraiment bien joué. C'est bien ce que je pensais. Karl peut-être te dire un mot, oui. Karl, oui. Ah, c'est magnifique, parce que là, on était vraiment attiré par ces jeux qui a pu nous mettre en train. Et puis là. Et le fort, il est assez fascinant quand même. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il faut le voir une fois dans sa vie pour le croire. Hein. Ça s'est bien passé avec le vieux là-haut. Impeccable, charmant. Hein. Bon, il a de l'âge, mais il est sympathique. Hein. Très sympathique. Ils sont formidables. Ils ont été très bons. En plus, ils ont énormément d'humour. Merci. Bravo les pompiers de Paris. Hein. On peut les féliciter. Applaudissez-vous et votre cri, vous n'êtes pas appelé. Voilà. Allez, Marie.